de quoi il s'agit. Mais déjà, comme j'ai suivi, et je vais vous expliquer ce qui se passe. En réalité, depuis 2016, selon ce que les chefs ont dit, depuis 2016, il y a un protocole d'accord qui a été mis en place. Ils sont venus voir les chefs pour dire qu'ils vont faire une étude d'environnement, une étude environnementale, pour voir à Adjamé, Adjamé village, pour voir si éventuellement on peut faire des routes ou on peut faire ceci, cela. Vous comprenez? Et ils ont dit au chef, on va en même temps essayer de voir si on peut faire des routes aux deux plateaux, ici et là. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les chefs, ils ont accepté de discuter avec eux, les laisser faire, venir faire les études d'impact et environnemental. Les chefs les ont laissés. Ils ont saisi de cet accord-là, de cet accord qui est basé sur les études environnementales, pour faire quoi? Que les chefs leur ont donné l'autorisation de faire des routes à Abidjan Adjamé. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà le fait que les chefs aient accepté de discuter avec eux, ils ont laissé le loup rentrer dans la bergerie. Ils ont laissé le loup rentrer dans la bergerie. Deuxièmement, ils disent qu'ils ont signé un accord avec l'ancienne chefferie en 2020 et que l'ancienne chefferie avait accepté de céder 30 mètres de part et d'autre de la route, pour pouvoir agrandir la route pour l'accès au quatrième pont. En 2022, la nouvelle chefferie a mis en cause cet accord-là, parce qu'ils ont considéré que c'était un hold-up. Ils ont considéré que c'était un accord qui n'était pas, qui ne prenait pas en compte leurs intérêts. Bon, je dirais leurs intérêts, mais qui ne prenait pas en compte, on va dire, leur proposition à eux. Au niveau social, au niveau, comment on appelle ça, us et coutume. Parce que c'est un village. Donc, ils ont dénoncé cet accord-là et ils ont proposé des amendements à cet accord. Est-ce que vous me suivez? En 2022. Donc, l'accord qui avait été signé avec l'ancien chef a été caduque. Donc, ne fonctionne plus. Donc, il faut relire l'accord. Donc, Patrick Hachi a été sauté. Begré Mambé a été mis là. Ils ont recommencé les discussions avec Begré Mambé. Donc, qu'est-ce que l'État fait? Ils créent un compte séquestre et ils vont mettre 4 milliards et quelques là-bas pour essayer de jouer avec la mentalité des ébriers. Pour leur dire, vous avez l'argent ici, si vous voulez, si vous acceptez, il suffit que vous acceptez, les 4 milliards sont à vous. Les ébriers disent non, nous on ne veut pas 4 milliards. Nous, en réalité, ce que nous voulons, si on doit être délocalisé, si on doit être délogé, il faut nous trouver un site pour que nous installions encore notre village, pour que les Bidjans d'Adjamé soient ensemble, encore pour que ça soit un village. Il ne faut pas prendre un gars pour l'envoyer à Songon, l'autre à Ebempe, l'autre à Cocody, l'autre à Créville. Quand c'est comme ça, ça ne devient plus un village. Vous cassez le village. Donc nous, on veut rester un village. Donc il faut nous trouver un site pour qu'on soit un village encore. C'est ce que Begré Mambé, Dran Ouattara n'a pas accepté. Donc, les discussions étaient bloquées à ce niveau-là. Vous comprenez ça? Les discussions étaient bloquées à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce que les gars font? Pendant que les discussions sont bloquées, comment il s'appelle? Bakongo, Dran Ouattara lui donne ordre de passer à l'action. Bakongo sans fumer de drogue. Il donne drogue à ces petits-là. Et il se réveille à 4h du matin. Ils vont démolir. Alors qu'eux-mêmes, ils avaient parlé de 30 mètres de part et d'autre. Ils avaient parlé de 30 mètres de part et d'autre. Mais ils ont cassé plus de 70 mètres à 100 mètres de profondeur dans le village. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention réelle, ce n'était pas la route. Parce que dans un premier temps, dans le tracé initial des accès au quatrième pont, Adjamé Village ne faisait pas partie
les accès ne passaient pas par dans mes villages. L'accès passait d'autre part. Ils ont laissé ça et ils sont venus se mettre dans Adjamé village. L'intention réelle, c'est quoi? L'intention réelle, c'est d'exproprier non seulement les bidjans de la terre, mais c'est de détruire leur village, détruire leur, je dirais, leur communauté. Il faut détruire leur communauté. Voilà l'intention manifeste. Vous comprenez? Mais même sur le plateau, j'ai constaté que les chefs ont eu du mal à dire les choses, à révéler les choses. Dans leur sagesse traditionnelle, ils ne veulent pas dire et ils saluent Begré Mambé, ils saluent Ouattara. Moi, je comprends la sagesse traditionnelle. Mais vous n'avez pas affaire à des êtres humains. Vous avez affaire à des gangsters, à des délinquants. Votre erreur première, c'est d'avoir accepté l'étude environnementale d'abord. Votre erreur première, c'est ça. C'était ça. Deuxième erreur, c'est d'avoir accepté, même si c'était une ancienne chefferie, c'est de signer un accord de, comment on appelle ça, d'élargissement de voies de part et d'autre de 30 mètres. Ça, c'était votre deuxième accord. Même si vous avez rattrapé l'accord, mais c'était une erreur. Troisième erreur, c'était quoi? La troisième erreur, c'était de faire confiance à Dramane Ouattara et à votre leader, celui que vous appelez leader, Begré Mambé. Vous êtes de faire confiance. Ça, c'était la troisième et pire erreur. Mais comment vous dénoncez un accord et vous ne rendez pas ça public? Vous partez les voir dans les bureaux et vous ne rendez pas ça public. Vous n'en parlez pas. Et vous laissez Bakongo devenir. Vous laissez Bakongo gouverneur de votre pays, de votre région, de votre district. Ça, ce sont des erreurs que vous avez commises. Mais aujourd'hui, pour attraper ces erreurs-là, il faut non seulement continuer à dénoncer, mais tout ce qui va se passer, il faut mettre ça sur la place publique. Tout ce qui va se passer, il faut mettre ça sur la place publique. Et ne cédez pas d'un seul iota à votre village. D'ailleurs même, renoncez à tout. Dénoncez tout. Dénoncez tout. Est-ce que vous comprenez ça? Ne jouez pas avec Dramane. Mais, comment les Blancs sont allés attaquer Kadhafi? Comment ils sont allés, ils sont partis aux Nations Unies. Ils disent non, c'est pour juste aller protéger les populations de Benghazi. Juste aller protéger les populations de Benghazi. Quand ils sont rentrés en Libye, ils ont tué Kadhafi. Kadhafi n'a pas été tué à Benghazi. Hein. Il a été tué dans son village. Et il était en train de fuir pour sortir de la Libye. Et ils l'ont tué. L'opération turquoise au Rwanda, ils disent qu'ils vont donner manger aux gens. C'était une opération humanitaire. Les Français de Mitterrand, ils sont allés génocider les gens. Il ne faut jamais laisser le loup rentrer dans la BG. Ils ont dit en Côte d'Ivoire, ils vont aller casser les blindés de Gbagbo, les armes lourdes de Gbagbo. C'est pas aller casser ça, c'est pas aller détruire ça. Vous les avez vus, non? Ils sont allés casser la maison de Gbagbo, tuer les populations civiles. C'est de là que Dramane Ouattara vient. C'est de là que les ordres de Dramane Ouattara proviennent. Si vous ne savez pas ça, et que vous n'avez pas encore compris ça, vous allez toujours subir. Vous allez toujours subir, et très mal subir. Ça, je tenais à le dire. En tout cas, moi, vous avez mon soutien. Vous avez tout mon soutien. Et je suis solidaire de vous. Et le PPACI a fait un communiqué pour dénoncer ce qui s'est passé. Voilà. Nous, on est solidaires. Mais, vous-même là, arrêtez d'être comme ça. Soyez comme ça. Et dites-leur la vérité. Dites-leur la vérité. Ne leur montrez pas que. Voilà, mais ça dépasse l'entendement. Vous n'avez pas indemnisé les gens. Ils n'ont reçu rien du tout. Même si un frère n'a pas reçu.
y a un bâtard qui parlait sur les réseaux sociaux pour dire non, lui, son grand frère était dans telle pharmacie, il a eu l'argent. Voilà, maintenant on dit c'est faux. C'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont cassé Shailen, ils ont mis une petite fille sur la toile pour mentir. Après, eux-mêmes, ils ont démenti. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, les gens n'ont rien reçu. Ils n'ont pas été relogés. Et vous partez casser la maison pour en faire des sinistrés. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un être humain peut le faire? Draman, il n'a pas de sentiment. Il n'a pas d'émotion. Un homme qui a pu mettre embargo à plusieurs reprises sur les médicaments, sur l'importation des médicaments dans le pays qu'il appelle son pays, faisant des morts. Cet homme-là, il ne peut pas avoir le cœur. Mais si vous ne vous levez pas plus et que vous restez derrière Begré Mabé, vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu. Begré Mabé, lui-là, il n'a rien à dire. Il ne peut rien dire, il ne peut rien créer. C'est Draman qui gère. C'est ça qui est la vérité. Alors, chers camarades de l'Afrique, toujours en Côte d'Ivoire, le RDR, quand je vous ai dit ici que Draman Ouattara n'allait pas être présent aux Jeux Olympiques, je le dis depuis longtemps, depuis avant même que l'ouverture soit donnée, je vous ai dit qu'il ne sera pas là. Je vous ai dit non. Et il n'a pas été là. C'est Begré Mabé qui l'a représenté. Begré Mabé. Tiam a été invité par Macron. Tout le monde a vu Tiam. Comme les RDR ont vu Tiam là-bas, les RDR sont allés fabriquer une photo de Draman Ouattara là-bas. Voyez la photo. Voyez la photo de Draman. Voyez la photo que les RDR ont fabriquée. Pour dire que c'est Draman Ouattara qui était là-bas. Mais on est parti chercher la vraie photo. C'est un montage. On est parti chercher la vraie photo. Voyez la vraie photo ici. Voyez la vraie photo. C'est un blanc. Où est la fille qui est derrière là? Voyez la vraie photo. C'est ce blanc-là. Que les RDR ont modifié son visage pour mettre Draman Ouattara. Vous avez vu RDR, non? Parce que j'ai dit Draman là, il est fini. Macron ne veut plus de lui. Ça, il n'y a rien à dire. Macron ne veut plus de lui. Macron a changé son camp. Donc, il est là comme ça. C'est pourquoi il n'a pas de sentiment. Il est en train de tout détruire encore une fois. Donc, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter coûte que coûte. Voilà. Comme rappelle l'Afrique, on a eu des informations non vérifiées. Une information non vérifiée faisant état de quoi? On dit ici que dans le nord de la Côte d'Ivoire, les terroristes auraient donné des ultimatums à certains villages de quitter, de déserter les lieux, comme ils le font dans le nord du Burkina Faso et du Mali. Les terroristes auraient donné des ultimatums à certains villageois de quitter leur village. Sinon, ils allaient faire des représailles contre eux. Ils allaient les attaquer. Donc on a eu l'information, mais l'information n'est pas vérifiée. Donc, je ne peux pas vous dire, c'est sûr. L'information n'est pas vérifiée. Voilà. Mais si l'information est sûre, si c'est sûr, je reviendrai vous dire, c'est une information de sous-sûr. Chers camarades d'Afrique, toujours en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, cette fois-ci. Vous avez tous vu la vidéo qui circule où Katina Kone a été représenté le président Laurent Gbagbo au Burkina Faso. Vous avez vu ça, non? Vous avez vu la vidéo, non? La vidéo est sur ma page, le Gbagbo Kone, sur mes deux pages, TikTok comme Facebook. Ça, c'est sur YouTube aussi. Seulement que vous connaissez TikTok, seulement que vous connaissez Facebook, seulement que vous connaissez YouTube. La vidéo existe. Katina Kone est allé représenter le plan Gbagbo. À la 4e édition, chez Camarade d'Afrique, des ambassadeurs de la paix Award. Les ambassadeurs de la paix Award. Il y avait la présidence du Burkina Faso là-bas. Ouais. Il y avait le ministre secrétaire général du gouvernement. Le ministre secrétaire général du gouvernement du Burkina Faso qui était là-bas. Il y avait des associations panafricanistes, nigériennes, maliennes, burkinabées et tout. Il y avait. Non, mais c'était de qualité. Le président Gbagbo, il était l'invité spécial, l'invité d'honneur. Le président Gbagbo, au Burkina Faso. Frère, le RDR ne peut pas dormir. C'est gâté sur eux. Mais le capitaine Ibrahim Traoré lui-même, il a rendu hommage au président Gbagbo. Pour dire qu'on a été manipulé par rapport à Gbagbo. Moi-même, j'ai été manipulé. J'ai été manipulé. Nous tous avons été manipulés. Ouais. Mais moi, ma manipulation, il faut le dire, ce n'était pas tout. Hein.
Non, 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 non. Ceux qui disaient, non, les djoulas ne pouvaient pas porter habits, boubou, on tuait les djoulas, ceci, cela, c'est faux. Moi, j'ai voyagé en 2007, avec ma carte scolaire. C'est pas ma carte d'identité, hein. Carte d'identité, CENI, carte nationale d'identité, non. C'était ma carte scolaire. J'ai voyagé avec ma carte scolaire de Séguéla jusqu'à San Pedro. On m'a pas embêté. Ouais, ouais. J'ai un nom nordiste, connais Suleiman. Donc, moi, je ne croyais pas à ça. Et à San Pedro, moi et puis mes amis, on sortait toujours. Mon vieux mort s'appelait Zokoï Herman. C'est un bété. Zokoï Herman. Il y avait mon bon petit Zokoï, mon vieux père s'appelle Zokoï Herman. C'est vrai qu'on ne s'appelle pas trop ces temps-ci parce qu'il a perdu son numéro et tout. Et j'ai perdu son numéro qu'il avait. Je pense qu'il a changé le numéro et tout. Il y a mon bon petit, il s'appelle Dja Julien. Son grand frère s'appelle Dja Félix, qui est aussi Annie. Il y avait Anissé, il y avait Fabrice, il y avait Charles, il y avait les Ouma, les Dempsey. On était ensemble et on sortait ensemble et on parlait s'amuser ensemble. Donc moi là, manipulation, ça n'a pas été trop. Bon, de ce point de vue-là, je ne vais pas dire qu'on m'a manipulé. Mais où on m'a manipulé, c'est que Draman a menti. Il a dit qu'un Ivoirien, un toit, accouchement gratuit. Il a promis le ciel et la lune aux Ivoiriens. Donc, moi, ça m'a pris. Voilà, ça m'a pris. Ça, c'est une réalité. Mais pour dire que Draman m'a manipulé pour devenir tribaliste, jamais de ma vie. Il n'a jamais été tribaliste. Parce que moi-même, je vous ai dit ici que ma grand-mère avait construit deux petites chambres comme ça. Elle m'avait donné une chambre et l'autre chambre était son magasin. La petite chambre où j'occupais là, chaque une semaine, deux semaines, elle me faisait sortir pour faire entrer soit un baoulé, un bourreau, en tout cas, toutes sortes de personnes. Malien, Burkinabé, Sénifo. Ma grand-mère se promenait pour chercher les étrangers. Ma grand-mère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous, on a été élevés, mon papa pareil. Il y avait des étrangers chez nous, beaucoup. Beaucoup chez nous. Donc, nous, on a été élevés comme ça. Donc, nous, on ne sait pas faire la différence entre un être humain et un autre être humain. Donc, ça, personne ne pouvait me manipuler pour me rendre tribaliste. Parce que depuis ma naissance, j'ai vécu avec tout le monde. Ça, c'est une réalité. Voilà. Mais, on m'a menti. Voilà, ça, c'est clair. On m'a menti. Donc, ils ont menti à tout le monde. Ils ont menti à tout le monde. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré, lui-même, il a dit c'est faux. Lui-même, il a démenti ça d'abord. Parce que lui-même, il a failli être victime. Et là même, il est victime de ça, du terrorisme informationnel, du terrorisme communicationnel. Ça, c'est une réalité. Donc, le président Gbagbo, les Burkinabés, au plus haut niveau, ont compris qu'eux, ils ont été manipulés contre Gbagbo. Et qu'aujourd'hui, ils rendent hommage à Gbagbo. Ils reconnaissent en réalité que Gbagbo était sur la bonne voie et qu'il est sur la bonne voie et demeure toujours sur la bonne voie. C'est pourquoi il est l'invité d'honneur, l'invité spécial à la 4e édition des ambassadeurs de la paix Award au Burkina Faso. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, je voulais avoir beaucoup de cœur, beaucoup de likes pour le président Laurent Gbagbo avec son bon petit Ibrahim Traoré. C'est ça aussi qui est la réalité. Son bon petit Assimi Goïta, son bon petit président Tchiani. C'est ce bon petit ça. Les jeunes gens de l'AES, c'est un bon petit, comme lui-même les appelle, les jeunes gens de l'AES. C'est ça qui est la vérité. J'ai un camarade d'Afrique. Quand on a dit ça, on va s'envoler. Frère, on va s'envoler pour la bataille de Tanzawaten. Oh, il y a eu une bataille depuis le 25-26 à Tanzawaten. Frère, c'est grave. C'est grave. Oh, l'Algérie, je le dis encore, Tebboune, c'est un soulard. Tebboune, c'est un soulard. Excusez-moi, est-ce que vous comprenez, chers camarades? Des milliers de terroristes, quand j'ai dit des milliers, ça vaut 10 000. Vous ne pouvez pas imaginer, chers camarades. Tiens! Vous avez vu l'attaque de Djibo qui a été filmée. De toute façon, les terroristes venaient par milliers là. Ça, c'est petit. Ça, c'est petit dans Tanzawaten. Frère, ils sont venus de l'Algérie, de la Mauritanie, camarades peu d'Afrique. Et ils foncent. Les terroristes libyens, il y a des terroristes qui faisaient rage en Libye. On les a retrouvés sur le terrain
On a trouvé leur corps sur le terrain sur le champ de bataille de Talawatel. Les terroristes, ils disent bien c'est-à-dire que des terroristes veulent. Frère, non. Quand ils sont venus comme ça, la même Malienne a perdu, je crois, un avion et des véhicules, quelques véhicules, et aussi, non mais l'avion là, je pense que c'était un accident au niveau de Kidal, quelques véhicules, frère, je crois 2 à 3 véhicules, je ne sais pas combien de véhicules là, il y a eu 12 blessés, un véhicule blindé, pas trop de dégâts, côté malien. Frère, les Sukhoi, les MI-21, MI-35, camarades plus d'Afrique, quand on dit faut être armé, il faut être armé. Quand Ibrahim Traoré a parlé de guerre d'intensité, camarades plus d'Afrique, c'est guerre d'intensité qu'il voit comme ça. Les Sukhoi, les SU-24, les sous-25. Frère, non, ils ont fait la fête. Ils ont fait la fête. C'est-à-dire que les terroristes eux-mêmes, ils ont fumé droit parce qu'ils fument droit pour venir. Comme on a peu d'Afrique. Ils sont fondus comme ça sur Tezawaten. Leur objectif était d'arracher Tezawaten aux Maliens, couper Tezawaten du Mali, mettre ça avec la liquide pour coller ça à l'Algérie. Camarades peu d'Afrique, quand ils ont pris, c'est-à-dire qu'un front de près de 5 à 10 km, un front large de près de 5 à 10 km, ils sont versés comme ça. L'objectif, c'est quoi? De déborder l'armée malienne, le prendre en tenaille, c'est-à-dire que, et couper Tezawaten du reste du Mali. Et broyer maintenant les éléments qui allaient rester au milieu. Ah, c'est la stratégie, ça. Camarades, mais quand ils se sont engagés, les Sukhoi ont visé le milieu. C'est-à-dire que frapper le milieu, couper en deux la ligne de front. Les moyens de communication de l'ennemi, les véhicules blindés de l'ennemi ont été surcotés. Donc, ils n'arrivent plus à communiquer. Donc, c'est la débandade sur le front. Ceux qui étaient chargés de couper les Awatens, de prendre en tenaille les Awatens, chez les camarades d'Afrique, eux, ils sont face à une résistance farouche. Eux qui sont chargés de couper, eux-mêmes, ils sont découpés. Lui qui vient là, n'arrive pas à croiser son gars. Attends, non, ça frappe. Mais c'est là, tu vois, terroriste, il a moto, il trouve que la moto ne roule pas assez vite. Il jette sa moto et il se couche. Mais il se couche, il voit qu'il y aura manger dans la ville d'Afrique. Et il prend la poudre d'escapette. Bref, c'est qu'il coupe, il va tomber là, sur la montagne. Et tu le vois, le gars il se laisse comme ça, et puis il roule. Comment? Non. L'armée malienne, si tu n'as pas peur de Dieu, il faut avoir peur de l'armée malienne. Si tu n'as pas peur de Dieu, frère, il faut avoir peur de l'armée malienne. Pourquoi je dis ça? Parce que les terroristes disent que eux, c'est les djihadistes. Et ils font du djihad, ça, non? Ils font du djihad. Le djihad, c'est l'effort dans l'islam. Donc, on leur a promis 10 vieilles. Vous comprenez ça? 10 vieilles. Bon, comment quelqu'un peut avoir le courage de sortir ce genre de mensonge? De placer ce genre de mensonge? Comment quelqu'un peut avoir le courage de faire? Si tu as peur de Dieu là, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux mentir comme ça? Si tu as peur de Dieu, est-ce que toi tu peux mentir comme ça? Mais ils savent, depuis quand Tombouctou est une ville islamique? Ils savent depuis quand l'islam est rentré au Mali. Voici les plages ici, en Europe, en Occident. Les plages où les gens sont nus. Vous ne partez pas faire djihad là-bas.
Voici les maquis, les bois de nuit, les bas ici, les bas, les houbis sont en train de se marier ici et là. Vous n'avez pas dit parce que djihad là-bas, hein. C'est au Mali où il y a déjà l'islam. 90% de la population malienne est musulmane. Des gens qui sont ancrés dans l'islam, qui ont étudié l'islam, qui ont fait des pèlerinages depuis le 13e siècle. Et c'est vous qui venez parler de l'islam là-bas. Si vous avez peur de Dieu, vous pouvez dire ça. Mais comme ils n'ont pas peur de Dieu, chers camarades d'Afrique, ils ont trouvé l'armée malienne pour les avoir en affaire. Mais ce n'est pas Dieu. L'armée malienne les a bottés. Jusqu'à les 10 vierges qui les attendent là-bas, au paradis, les appellent. Mais les gens ne veulent pas revenir. Les 10 vierges disent, mais combattez l'armée. Combattez, venez mourir. Mourrez, vous allez venir trouver ici. Et des, ils ne veulent pas les vierges. Tellement que le feu est sûr. Merci pour le cadeau, mon frère. Tellement que le feu est sûr. L'armée malienne les a bottés. Copieusement bottés le cul. Mais nous disons ici à Tebboune, Mamadi Tebboune, le président algérien, citizen, merci, algérien, qui veut forcément s'accaparer d'une partie de la terre malienne. Il envoie 15 ambulances. Pendant que le combat est en train de se faire, il envoie 15 ambulances, près de 15 ambulances, pour tenter d'aller chercher les blessés. Selon lui, c'est les ressortissants algériens qui sont blessés. Mais quels ressortissants algériens se trouvent sur le champ de bataille? En réalité, c'était pour venir prendre les terroristes, les chefs terroristes là, qui étaient pris au piège, venir les extirper de la NAS et puis les envoyer maintenant chez eux. Mais l'armée malienne a bloqué tout ça. Tout ça a été bloqué. Et l'armée malienne est en train de faire le ratissage. Même jusqu'à présent, les ratissages continuent. L'armée est en train de les frapper. Les morts là, on n'est pas fini de compter. Comment ton pays peut être une base arrière contre le Mali? Non, vraiment, Tebboune ne connaît pas la honte.